Je suis responsable régionale, ça veut dire que je chapeaute un réseau de boutiques sur le secteur parisien. Donc je suis en charge de toute l'animation commerciale, également du management de mes équipes, donc ça passe par des interactions au quotidien. Et mon parcours chez Comptoir des Cotonniers a débuté il y a 7 ans en tant que responsable de boutique. Voilà, j'ai été responsable pendant 4 ans sous différents formats de boutique et ensuite j'ai eu la chance d'être promue en tant que responsable régionale. Alors on va dire qu'en premier lieu, ce que j'apprécie dans mon poste, c'est l'interaction avec mes équipes, le management, échanger avec elles au quotidien sur le pilotage du point de vente, sur la formation de leurs équipes, l'accompagnement au quotidien. Et bien évidemment, tout ce qui est pilotage commercial, la proactivité dans mes actions, ce que je vais mettre en place et ce qui va permettre de booster un business. Ce qui m'a donné envie de rejoindre Comptoir des Cotonniers, on va dire qu'il y a deux choses. Dans un premier temps, l'univers que j'ai connu vers l'âge de 20 ans avec les campagnes, les fameuses campagnes mère-fille, cet univers intergénérationnel et qui m'a touchée, dans lequel je me suis reconnue. Et ensuite, on va dire 10 ans plus tard, d'un point de vue professionnel, ça a été vraiment l'animation commerciale qui est très forte chez Comptoir des Cotonniers. Voilà, avec une vision du business qui est vraiment innovante et différenciante des autres enseignes. Selon moi, la qualité pour travailler chez Comptoir des Cotonniers, c'est la proactivité. Voilà, il faut être constamment perpétuelle recherche d'actions qui pourraient nous permettre de satisfaire encore mieux nos clientes, pouvoir développer notre chiffre d'affaires et répondre au mieux aux attentes au quotidien. La French Touch, elle est vraiment illustrée par le chic à la parisienne, le confort du vêtement, mais l'élégance sans le côté ostentatoire. On est vraiment sur des lignes épurées, un vestiaire intemporel, passe-partout qui vous permet d'allier différents styles. Mon meilleur souvenir chez Comptoir des Cotonniers, c'est ma première convention. C'est un événement qui a lieu une fois par saison où tous les responsables de boutiques d'Europe ainsi que les responsables de services sont conviés pour un événement, on va dire, assez festif où on revoit un peu les résultats de la saison passée, les objectifs de la saison à venir. Et c'est un moment que j'ai trouvé très festif, humain. On fait partie d'un gros groupe, mais on arrive quand même à garder ce caractère humain. Voilà, donc ce qui m'a vraiment marqué sur ce premier événement très comptoir auquel j'ai participé. Alors, ce que m'ont apporté les formations Fast Retailing, c'est bien évidemment un développement personnel dans mes compétences, ce qui m'a permis à mon tour de nourrir mes équipes. Aussi une prise de recul sur ce que je pouvais penser être acquis. Donc parfois faire des refresh, se remettre en question et retravailler de manière différente ou changer son approche dans son management. Travailler chez Comptoir des Cotonniers, c'est un investissement quotidien, mais aussi beaucoup d'enrichissement personnel et professionnel. Voilà, je me suis vraiment sentie grandir auprès de cette marque qui m'a fait confiance tout au long de mon parcours et puis qui m'a permis aussi de travailler ma remise en question au quotidien. Voilà. Donc je pense que c'est important aussi bien pour la vie professionnelle que la vie personnelle. On est une enseigne qui développe vraiment ses collaborateurs. On a vraiment une projection sur un parcours de carrière. Il y a vraiment un caractère humain, même si on fait partie d'un gros groupe international. Et voilà, et on prend beaucoup de plaisir. Moi, je ne me suis pas ennuyée en 7 ans chez Comptoir. Donc voilà, si vous êtes motivé, que vous avez envie de vous dépasser, n'hésitez pas.